On a toujours besoin d'encore une prière et certainement nos chers frères et sœurs en Ukraine et dans les environs ont besoin de notre prière. Alors, ensemble, chapitre 120. Shira Malois, El Adonai Batzoros Elikoros Eveyaneni, Adonai Atile Nafshi Misvashekem Loshen Remiyo, Mayit Elochom Ayoisiv Loch Loshen Remiyo, Chitzegibo Shinunim Gachale, Rosomim, Oyo Likigati Meshoshantim Ole Kedo Rabbas, Shoch Nolo Nafshi Misvani Sholem, Ani Sholem Vichia Daber Heimo, La Milchomo. Prenons un peu de Tzedaka, mettons dans la boîte de Tzedaka, et maintenant, après avoir Tfila, Tzedaka, nous allons avoir un petit vartora sur la paracha de cette semaine. Hier, nous avons discuté de cette fameuse conflit, ce fameux conflit entre le Chorabor et le Léviathan. Les deux êtres, les deux existences, l'animal et le poisson cachère, que nous allons manger à la Souda de Mashiach. Mais c'est quoi la description d'un animal cachère? Eh bien, dans la paracha de cette semaine, la Torah nous dit la chose suivante. « D'abord, le béné Israël, Dieu dit à Moshe Rabbeinu et Aaron, parlez au peuple juif et dites-leur, « Zot achaya asher tochlo, voici les animaux vivants que vous pouvez manger, asher ala aretz, qui vivent sur la terre. » La behema, donc l'animal qui vit sur la terre. Et c'est quel? « Kol mafres et parsa. » Tout ce qui a les cornes, le pied corné est divisé en deux ongles, ainsi que malad gera, l'animal qui rumine, tu peux manger. Donc, nous donne description claire, pour être un animal cachère, ça a besoin de deux choses, que ce soit les sabots fondus entièrement et rumine sa nourriture. Là, la Torah continue, il nous dit en trois psukim, je m'excuse, quatre psukim, quatre versets, nous dit la chose suivante. Sachez qu'il y a le chameau que malgré le fait qu'il rumine, mais n'a pas le sabot fondu, donc pas caché. Ensuite, il y a aussi le chafan, la gerboise, qui aussi est la même chose. Rumine, mais n'a pas le sabot fondu, donc Tamehulachem, pas cacheur. Ah, il y a un troisième. Arnevet, la lièvre, aussi, qui rumine, mais non plus, n'a pas les sabots fondus. Donc, Tmeahi, lachem, impur, n'a pas le droit de manger. Trois animaux qui ruminent, mais n'ont pas, comme ils disent, le pied corné, n'ont pas les sabots fondus, interdit. Il y a un quatrième. Qui c'est quatrième? Hachazir, le porc. Le porc qui montre toujours sa patte. La patte qui est quoi? Qui a le sabot fondu. Veut prétendre qu'elle est cachère. Mais, dit la Torah, ne rumine pas. Et pour cela, n'est pas cachère. Ensuite, la Torah continue. Un, deux, trois psukim qui nous dit, attention, le poisson, des écailles, des nageoires, c'est ça ce qui rend le poisson cachère. Le Rambam pose une question. Il commence en disant, « Mais kol habema asher al haaretz » de tout animal qui est sur la terre. Le fait que tu nous dis « animal », nous savons que c'est sur la terre. L'animal vit sur la terre. Ce n'est pas un poisson, ce n'est pas un insecte, ce n'est pas un volaille, c'est « behima ». On sait, Béhéma est sur la terre. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'ajouter le Moachar Laharetz? Et ensuite, pourquoi nous signaler qu'il y a trois animaux qui ruminent mais qui n'ont pas les sabots fondus et il y a un animal qui a les sabots fondus et qui ne rumine pas? En quoi ça nous dit quelque chose? On sait, tout ce qui n'a pas les deux symboles, les deux signes, n'est pas cachère. Nous dit le Rambam que la Torah veut préciser la chose suivante. Asher Laharetz, à savoir pas seulement qu'il est sur la terre, mais sur toute la terre, dans l'univers entier. L'animal qui a les deux, c'est cachère. L'animal qui n'a rien, qui n'a même pas un, n'est pas cachère. Et il dit qu'il n'y a que quatre animaux, trois qui ruminent et un qui a les sabots fondus. Et le reste des animaux, n'existe pas encore un animal qui a un symbole. Tous les autres n'ont rien. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire de savoir cela? Qu'est-ce que ça nous ajoute? Dit le Rambam que la Torah répond ici pour ceux qui
se pose la question. Est-ce que la Torah est vraiment Mina Shamaim? Est-ce que la Torah est vraiment donnée par Dieu? Peut-être c'est inventé par Moshe Rabbeinu. Peut-être les Chachamim ont ajouté. Eh bien, réfléchissons un moment. Est-ce possible pour un être humain de savoir que dans le monde entier, il n'y a que ces quatre qui ont un signe? Et même, disons, s'il savait qu'à ce moment-là, il n'avait que quatre, comment est-ce qu'il peut savoir que trois millénaires plus tard, aujourd'hui, Asher à la Haaretz, aujourd'hui, dit la Torah, il n'y a aussi que ces quatre? Donc ceci, c'est preuve claire pour ceux qui ont besoin d'applaudir que Torah mina shamayim, que la Torah est donnée par Dieu. Et c'est pour ça que la Torah nous indique cela. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, nous savons tous que Torah mina shamayim. Mais nous voulons avoir maintenant la Torah Hadasha, la nouvelle dimension de la Torah que Mashiach va nous enseigner. On voudrait l'entendre aujourd'hui au Beth Amikdash avec Mashiach.